Salut les amis, alors une vidéo pour parler de la fin du mercato de l'OM, pour parler de Paulo Longoria et ses choix au niveau des départs de l'OM et des joueurs vont venir, ils sont arrivés et ils vont venir. Parce que la fin du mercato, c'est ce soir à minuit pile. Alors, comment y avait déjà, on va commencer par ça, comment vous avez crevé le mercato de l'OM? Alors moi, le mercato de l'OM, je l'ai, on va dire, c'est un très bon mercato. L'OM a sont inscrits des très bons joueurs. Je suis très content des recrues de Marseille. C'est pas fini. Il risque d'avoir encore une recrue avant ce soir minuit. Il fait nuit sans jour, bien sûr. Il fait nuit sans jour, le téléphone. Fait jamais nuit sans jour et voilà. C'est bon. Avant, parler de l'OM. On va vite fait, vite fait, vite fait, vite fait parler des tirages au sort de la Ligue des Champions. Faut pas oublier, aujourd'hui, le 31 août, à moi j'ai organisé ça sur l'équipe 21, le tirage au sort de la Coupe de France. Alors, Paris vont jouer dans le groupe F et ils vont avoir le groupe de la mort. Ils vont avoir le groupe de la mort. Ils vont jouer à Bakhmout, Milan AC et Nancy City. C'est le groupe F, le groupe de la mort. Et Nantes, groupe B, Séville, Arsenal, PSV et Nantes. Pour moi, c'est le deuxième groupe de la mort. Voilà pour les clubs de Ligue des Champions français. Demain, 13h, le tirage au sort, ça va être à Monaco. Parlant de Monaco, il va aussi y avoir Monaco, Marseille, Toulouse. Les trois équipes, ils vont faire la Coupe Europa. Marseille, quand je dis pas de bêtises, ses amis, on les doit un groupe, le groupe B. Et je me rappelle plus y a qui dans le groupe B. Je m'en rappelle plus du tout. Je regarde quand j'avais mis ça quelque part. Y a qui dans le groupe B? Non. Bon c'est pas grave. J'ai pas mis, c'est pas grave. Alors pour parler aussi le dernier match de championnat de l'Olympique de Marseille, j'avais dit une victoire et Marseille a gagné 2-0 au Vélodrome contre Brest. Au milieu de ça veut dire du match, il est passé, je sais plus si c'est quand, samedi, je crois, à aujourd'hui, il y a eu deux nouveaux joueurs à signer à l'OM. Accordé. Il y a l'Argentin là, je vois pas son nom. Il y a un joueur, il vient d'un club icanien, Inter de Milan. Ah, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Il va avoir le numéro 20 de l'Olympique de Marseille. Et le deuxième joueur. Ah, ça revenu comme ça. Et le deuxième joueur. Il y a aussi un joueur de Perfica, au Opal de lui à l'OM.
Numéro 8, que je ne dis pas de bêtises. Voilà, l'OM négocie avec Perfica pour un joueur. Murati, c'est un milieu défensif, voilà. Il vient de Perfica, Portugal. On va faire comme ça et on va finir avec ça. Et la formation, elle est cobée, là, ça fait pas longtemps. Un accord, ça s'est fait. Un accord a été crevé pour Issam Touré pourra être donné, être vendu à Lorient. Et un joueur de Lorient pourra venir à l'Olympique de Marseille. Banmon Mendes pourra signer à l'Olympique de Marseille 5 ans. Et Issam Touré pourra partir à Lorient, pareil, 5 ans. Bon, ben voilà, un changement. Au lieu où on donne des sous, ben là, c'est un changement de joueur. Bon, et je crois que Touré a 22 ans et l'autre, il a 23 ans. Mais l'autre joueur, Banmon Mendes, joue beaucoup plus. De Touré a beaucoup moins joué. C'est quête la grosse défiance. Voilà. L'OM est proche d'un accord avec Lorient pour un échange de joueurs Issam Touré et Banmon Mendes. Les deux, hein. Les joueurs pourront signer un contrat de 5 ans. Ça veut dire, un, il va signer 5 ans à l'OM, l'autre, il va signer 5 ans à Lorient. Et je vais vous faire montrer un truc. Et regardez-moi le Touré avec son futur maillot. Je dis futur parce que c'est pas fait encore. Son futur maillot de Lorient. Voilà, je vais à la main pour pas ça fait flou. Hein. Je vais mettre un petit cœur en direct. J'ai mis un petit cœur. Demain, vendredi. Ah, demain, il y a deux crues qui se passent. Attendez une seconde, je reviens sur le. Voilà. À demain, il y a deux crues qui se passent importants. Demain, il y a la Coupe Europa, le terceau sort Europa. On verra Marseille avec qui ils vont jouer, Monaco avec qui ils vont jouer, et Toulouse avec qui ils vont jouer. Alors pourquoi Toulouse? Pour les gens, il y a oublié. Toulouse, champion de France cette année. Ça c'est pour demain. Demain on va être le 1er septembre. Mon téléphone il bouge. J'ai cassé le système pour connecter le téléphone. Je l'ai cassé. Maintenant il bouge beaucoup. Normalement c'est prévu. Je me rajoute qu'un autre. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Demain c'est le 1er septembre. Terrasse au sort. Plus l'OM joue à 20h45 sur Amazon, je sais pas quoi. Et puis, c'est que. Ah là là. Bon, attendez, je sais comment je vais faire. Voilà, c'est moi, je vais reculer. Comme la dernière fois, c'est comme ça que j'avais fait, je me rappelle. Et puis voilà. Hein. Ah mais j'avais vu
J'avais vu un truc, mais je recroche plus. Bon, je sais plus. Bon, bah, c'est pas grave. Ah oui, le nouveau joueur a signé à l'Olympique de Marseille. Almi Murino a signé, je sais plus combien de temps, 3 ans, je crois. Ou 2 ans, je sais plus. Bon, je crois qu'il a signé 3 ans à l'Olympique de Marseille. Et il va avoir le numéro 62. Il va avoir le... Oh, on voit pas. Si on voit. Je sais pas quand il voyait le numéro 62. Le nouveau maillot de Marseille. Oui, c'est ça. C'est ça, je voulais vous faire montrer. Le nouveau maillot de Marseille, les amis. Le nouveau maillot de Marseille. Oh là 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 là. Pourquoi je suis passé à côté de ça? Oh, je l'ai pas... Oh non. Attendez. Je crois que j'ai oublié de le mettre sur le truc. Voilà, là, je vais vous faire montrer un truc, hein, mais... Ça, c'est un jeu vidéo. Et on voit quoi sur le jeu vidéo? La vidéo à 5 jours. On voit une voiture avec des couleurs militaires orange, noir. Pourquoi? Parce que c'est Puma, la marque de l'OM. Et je compte plus dessus. Et c'est le nouveau maillot de l'Olympique de Marseille. Je l'ai partagé. Mais je l'ai pas mis sur mon mur. Ah là là. Attendez. Une minute. Je le cherche. Et quand je le vois. Ben je vous le fais montrer. Voilà. On le voit là. Mais c'est pas terrible. On le voit là quand même. On peut pas. Si, on peut. Voilà le nouveau maillot de l'Olympique de Marseille, les amis. Le nouveau maillot de l'Olympique de Marseille. C'est le maillot numéro 3. Blanc, numéro 1. Bleu, numéro 2. Et militaire. On va l'appeler le maillot militaire numéro 3. Ben, il est beau, hein? Voilà. À moi, je le veux avec le numéro 20. Derrière. On verra. Faut que je pourrai l'avoir. Il y a ma femme à côté. On verra, on verra. Chérie, je t'aime. Ça marche toujours. Bon, elle va pas savoir pourquoi je dis ça. Elle va pas savoir pourquoi je dis ça. Alors, mais pour avoir un maillot de foot, hein, faut, voilà. Faisais pareil avec votre femme. Bon, alors, quand je voulais vous dire, quand je voulais vous dire, bon, je crois on a fait le tour. Je regarde sur. Bon, j'ai fait le tour, j'ai plus rien à vous dire. Alors, abonnez, partagez, mettez-moi un pouce, mettez-moi un commentaire, ou alors, faisiez rien. Mais à 200 personnes, ils me regardent. Coup de camp, même plus hein, de 200 personnes. Et je suis très content, mais voilà, ma chaîne grandit, petit pas petit. Et c'est grâce à vous. Mais voilà, les pouces, les commentaires, les abonnages, ça vous fait encore plus grandir la chaîne. Alors, faites-le, c'est gratuit, les amis. Et puis, pour finir, j'ai peut-être une dernière information pour vous donner. Sinon, je vous dis à demain. Alors, il faut savoir aujourd'hui, je vous l'avais dit début de vidéo, aujourd'hui, c'est le dernier jour du mercato. Ce soir, je suis pas de coucher, hein, je suis pas couché ce soir. Ce soir, je me couche à minuit, pardon, même ouais, minuit 15. Minuit 15, pas avant. Voilà, encore le maillot de l'OM. On le voit peut-être mieux là, le croisé de maillot de l'OM.
Voilà le truc que je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, un, il part de l'OM et remplacé par l'autre. Voilà. J'ai plus trop de choses à vous dire. Alors Marseille joue demain, mais il joue à Nantes, je crois, demain. C'est Nantes l'OM, mais je. C'est Nantes l'OM, je crois, c'est à 21h demain, au 20h45. Non, ça, c'est les matchs qui sont passés, ça. Oui. Je suis surpassé. Bon, ben, j'ai pas les matchs de la quatrième journée. Déjà la quatrième journée, les amis. On va jouer déjà la quatrième journée, imaginez-vous. Quatrième journée demain. C'est incroyable. Alors, j'ai pas compté, mais je crois qu'il y a eu au moins 5-6 recrues ces années. Il y a eu. Ah, attends, je calcule vite fait dans ma tête. Je suis à 5. Il y a eu 5 recrues. Dites-moi les noms des recrues. Mais je crois qu'il y a eu 5 recrues. Regardez-moi ça, comment c'est beau. L'OM a 124 ans. C'est l'anniversaire de l'OM aujourd'hui. 124 ans, le club existe depuis 124 ans. C'est beau, hein? 124 ans. Depuis 1899. 1899, les amis. C'est pas rien, c'est pas rien. Paris, c'est dans les années 70. Marseille, c'est dans les années 1890. C'est ça, je voulais vous dire, les amis. La liste des Didier Deschamps, des 23 joueurs, est sortie. La chaîne L'Équipe a mis la liste des 23 bleus. Alors ça va être pour la, je crois, quand je dis pas de bêtises, il met pas, c'est pourquoi. C'est pas pour la qualification de l'Europe. Si. Voilà, si, c'est pour ça. C'est pour les matchs de l'Euro 2024. C'est pour se qualifier pour l'Euro 2024, voilà. Alors moi je suis là pour parler de l'OM, mais voilà, je voulais vous dire la liste des 23 joueurs de l'équipe de France pour les matchs de l'Euro 2024 est sortie. Ils pouvaient avoir ça sur la chaîne Équipe 21 ou sur internet www.équipe21.fr. Ndouzi est parti hier ou avant-hier. Ndouzi, il est parti de l'OM pour 12 millions plus 5 millions de bonus. 12 millions et 5 millions de bonus. Il est parti pour 17 millions d'euros. 17 millions d'euros, c'est rien du coup. Ndouzi, 25 ans, Ndouzi, que je sais pas de bêtises. Un joueur de 25 ans, 18 millions d'euros. Mais on va dire, quand il part de la Lazio pour aller, je sais pas moi, à Séville, c'est n'importe quoi, bah, on va dire, quand il part pour 50 millions d'euros,
Ben, l'OM pourra avoir 10% de l'argent. Et ça, c'est pas rien, les amis. Ça, ce n'est pas rien. Ça, ce n'est pas rien. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour l'OM. Maintenant, quand il y a un nouveau joueur, il signe à l'OM, pas prévu, ou quand il y a quelque chose qui se passe à l'OM avant minuit ce soir, je vais refaire une vidéo où ça, je pense que la dernière recrue, c'est le joueur de Lorient. Mais vu comment on parle aussi du joueur de Perfica, et puis on parle aussi, pourquoi pas, d'un gardien de but numéro 2, même quand j'y crois pas trop, on verra. Après, on peut avancer un grand buteur, hein, ici à l'OM. Pas du coup prévu, Ndouzi, pas Ndouzi, comment il s'appelle, bon bref, on s'en fout. Griezmann, voilà. Griezmann ici à l'OM. Je vous fais une vidéo, hein. Mais non. C'est qu'un exemple, mais c'est un exemple où ça, je pense, peu, même 0,00001%, ça peut arriver. J'ai qu'avant coupé le direct parce que ça fait plus de 20 minutes. Ça y est, j'ai crevé la quatrième journée. Alors, il charge. On va laisser le chargement faire. Comme par hasard. Oh là 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 là. Voilà. Alors, il va avoir un. Attendez. Ok. Il va avoir vendredi 1er octobre à 21h à Nantes-l'OM. Un samedi 2 septembre à 17h, un Brest-Rennes. Oh, le choc de la Bretagne. Samedi 2 septembre, 21h, Monaco-Nance. Monaco-Nance. Après, on va à dimanche 3 septembre, oui, c'est ça. Toulouse-Clermont. À 15h, Lorient. À 15h, Metz-Reims. À 15h, Lille-Montpellier. À 15h, 17h05, 17h05 pour être précis, Nice-Strasbourg. Et pour finir, le soir, il va avoir un choc. Et il faut pas Nyon perdre, quand Nyon perd, Laurent Blanc saute, troisième journée, quatrième journée, je veux dire. Laurent Blanc peut sauter directement à la quatrième journée. Et puis il peut sauter, hein. Il va sauter, je pense, parce que c'est un Nyon Paris. À Nyon Paris, et Nyon sont malades, Paris sont en forme. Mais c'est un Nyon. Mais c'est un Nyon. Alors pourquoi pas? Mais je veux dire que Laurent Blanc, quand il saute pas là, il va sauter, hein. Contre Marseille, contre Monaco, contre je sais pas qui, mais il va sauter. Je vois pas Laurent Blanc jusqu'à la fin du championnat. Ah, je vais même, tiens, parcager ça sur mon mur. Non, pas ça. Je vais parcager ça sur mon mur pour pas j'oublie pour une prochaine vidéo. Parce que maintenant, je vais vous faire une vidéo spéciale des résultats des matchs. Ah, je pouvais le faire sur la vidéo A, mais là ça va faire 25 minutes. La vidéo va être trop longue et ça va couper. Bah, au bout de 30 minutes, ça coupe. Alors, la prochaine vidéo, je ne sais pas quand je vais la faire. On va faire une vidéo où ça, on va vous dire, exemple, Nantes-l'OM, le score. Ça vous intéresse? Alors, mettez-moi des pouces quand ça vous intéresse. Abonnez quand ça vous intéresse. Mettez-moi des commentaires. J'aime tes vidéos, Inzom. Tes vidéos sont bien. Tes vidéos sont super. Et ça me donne envie de continuer. À demain, peut-être, pour faire la vidéo là. Oui, à demain, parce que faut que je la fasse demain. Pas le choix. Salut, les amis. Alors.